Alors, bonjour à tous, bonjour, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Moi, c'est Herman Ivoirien USC, je suis très content de produire encore cette vidéo. Je voudrais tout simplement vous parler un peu du port du masque. Voilà, comme nous sommes tous dans une crise donc sanitaire, et ce n'est pas n'importe quelle crise, c'est-à-dire que ce n'est pas pour dire que tu vas avoir juste une maladie et puis on peut te soigner, mais c'est quelque chose dont le vaccin n'a pas encore été trouvé. Et il est vraiment très important de pouvoir donc déjà sensibiliser tout un chacun. Vous me voyez avec un masque, pas parce que je suis malade, parce que déjà je me préoccupe donc du soin, de ma santé. Voilà. Alors je vais aller droit au but, je veux donc parler un peu du port du masque. Faites très attention, parce que sans donc le savoir, vous pouvez vous contaminer vous-même et accélérer vos contaminations. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous portez un masque, vous êtes rassuré que même si quelqu'un n'est pas trop éloigné de vous, vous êtes protégé, puisque même si la personne tousse, le masque peut bloquer le virus, parce que le virus est entre 400 et 500 nanomètres. Donc c'est des mesures qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais le virus il est quand même gros. Hein, donc il ne peut pas passer n'importe quel tissu, n'importe quel objet qui bloque tes narines, le virus ne pourra pas passer au travers. Ok? Voilà, donc c'est pourquoi il est important de porter les masques. Mais l'erreur que beaucoup font, c'est que quand vous portez les masques, vous touchez souvent le masque. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. Quand tu portes le masque, il est impératif d'éviter de toucher le masque. Parce que le masque a accumulé des virus, si on peut le dire. Le masque a accumulé beaucoup de virus. Et quand tu touches ce masque-là, automatiquement, tu t'appropries le virus dans tes mains. Ça, c'est seulement dans tes mains. Ok, tu t'appropries le virus. Maintenant, ceux qui enlèvent le masque et qui le mettent comme ça, je n'ai pas envie de faire même chose comme vous. Les gens enlèvent le masque, ils le mettent ça vers ici. Ok, ils enlèvent le masque, ils le mettent ça vers ici. N'est-ce pas? Voilà. À la fin de ma vidéo, je vais mettre une vidéo d'une autre personne qui explique aussi mieux avec les gestes. Voilà, je vais mettre sa vidéo à la fin de ma vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Elle va encore mieux vous expliquer. Voilà. Donc, n'enlevez pas le masque n'importe comment. Si vous tenez vraiment à enlever le masque, il est mieux de l'enlever de cette façon. Voilà. De l'enlever de cette façon. Voilà. De sorte à ce que le blanc qui était en contact avec l'intérieur qui était en contact avec votre nez soit en contact toujours avec donc votre visage. Comme ça, le virus se couche en bas. Mais il n'y a aucun danger. C'est que le vêtement que vous avez porté, soit il faut le relaver, ou soit il faut. C'est-à-dire, tout de suite, si je mets le masque, il n'y a pas de problème. Le masque me couvre toujours. Mais lorsque j'arrive chez moi à la maison, il faut faire attention à cette partie-là. Parce que le virus peut se coller sur le vêtement. OK? Donc, essayez de réfléchir comment enlever le vêtement. Il ne faut pas attraper le vêtement par le bas pour le tirer comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi. Donc, il faut attraper le vêtement par ici pour le sortir comme ça. J'espère que quelqu'un comprend de quoi je parle. Parce que si tu tires le vêtement vers le bas comme ça, mais je vous assure que tu entends c'est comme tu entends de boire les virus. Puisqu'ils peuvent être aussi. Ben c'est quelque chose qui, lorsqu'il a touché une surface, il peut se greffer. Donc, le port de vêtements, au cas où vous avez enlevé le masque. Sinon, je pense que quand on est à l'extérieur de la maison, c'est même pas la peine d'enlever le masque parce que vous pouvez parler avec le masque, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, pour le remettre, alors, de la même manière. Et vous appuyez ici. Voilà. Faut toujours appuyer là. Voilà. Vous comprenez? Mais là, c'est une erreur parce que c'est quelque chose que j'ai déjà porté. Bon, pour faire la vidéo, puisque j'en ai plein à la maison, donc ça, c'est encore nouvelle. Mais je vais dire que quand vous portez ça pour la première fois, le masque est nouveau. Donc, vous pouvez toucher pour appuyer là. Très important d'appuyer ici. OK? Et c'est fini. Vous n'enlevez plus le masque jusqu'à ce que vous rentrez chez vous à la maison, que vous enlevez ça proprement. Vous jetez, vous enlevez le vêtement par ici, comme ça, très bien. Et vous essayez de laver le vêtement ou de le mettre là où les vêtements sales sont, que vous allez laver pour ceux qui sont dans les pays développés. Vous allez laver dans vos machines à laver. Ce sont des choses très très capitales. Donc ne touchez pas le masque lorsque vous êtes outside, lorsque vous êtes dehors. Ou si vous avez porté des gants,
il n'y a pas de problème, vous pouvez toucher. Parce qu'il peut arriver que ton nez te gratte. Souvent, c'est dans ce genre de situation-là maintenant que ton nez veut te gratter. Quelque part ici, il y a un bouton qui te gratte, ça peut arriver. Vous comprenez? Donc, si vous avez des gants, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez toucher. Puisque le gant, ça protège et arrivez, vous enlevez les deux, vous jetez. Ça, c'est un gant jetable, celui-ci. Quand vous avez fait votre, vous avez fini la journée, vous jetez. J'en ai acheté un paquet de 50. Il y a 50 dedans. Donc, je sais qu'au moins dans, on peut dire, un mois et demi ou 2 mois, puisque c'est pas tous les jours que je sors. Donc, on peut dire 2 mois ou 3 mois, je peux porter à chaque fois un masque par jour quand je vais au travail, par exemple. Si c'est pour les supermarchés, j'ai fait mes calculs. Pour les supermarchés et autres, je vais juste, voici quelqu'un qui tousse depuis là. Peut-être que c'est les effets, on ne sait jamais. Depuis le temps de tousser derrière là-bas. Voilà, donc, vous comprenez. Donc, comme je suis en train de le dire, j'ai un petit foulard. Le foulard, comme les Américains, les petits foulards, si tu n'as pas assez de moyens, tu peux acheter les foulards. Si quelqu'un me demande comment ça coûte, combien ça coûte, ce que j'ai acheté, c'est 22 dollars. Normalement, c'est 15 dollars, mais avec le shipping. Le shipping, c'est le transport, hein, la livraison. Voilà. Un delivery, si vous voulez. Donc, c'est avec ça, ils ont fait à 22 dollars. Parce qu'il faut payer 5 dollars pour le shipping. Voilà, sur Amazon. Donc, il y en a 50 comme ça. Ça, c'est mon deuxième. Mon premier, vous l'avez vu dans la partie, quand j'ai fait la petite vidéo, quand j'étais au travail, quand je suis venu, j'ai enlevé, j'ai jeté. Donc, c'est des gants, c'est des choses jetables, le mien. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez acheter juste un petit tissu. Vous finissez, vous lavez, vous remettez encore. C'est très moins cher. Et je vois aussi, j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour vous aider à fabriquer vos masques. J'ai oublié. Quand je vais au supermarché, je vais acheter le truc. Et je vais vous montrer quelque chose de très facile qui sera aussi très moins coûteux. Mais sachez que ça sera aussi jetable. Et vous allez dire, mais ah, mais lui là où il a enlevé cette idée-là. C'est une Chinoise qui a parlé de cela, qui a montré. Et moi aussi, j'ai pris, je vais montrer à ma Thaïlande. Mais il faut qu'on vous montre comment on fait. J'ai perdu la vidéo de la chinoise, sinon j'allais télécharger pour peut-être balancer ça dans cette vidéo. Donc, si je l'ai retrouvée, soit je vais la mettre à la fin de cette vidéo. Si je n'ai pas retrouvé, je vais faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment fabriquer. C'est très facile. Voilà. Alors, donc, faites attention au port des masques parce que sans le savoir, vous pouvez vous contaminer à vous-même. Voilà. Donc, voici un peu la petite vidéo que je voulais enregistrer. N'oubliez pas les mesures de protection. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon, au moins 10, 15, 20 secondes. Ne soyez pas pressé comme si vous voulez aller manger. Voilà, nous avons tous dépassé l'âge où on groupait sur nourriture. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous sommes matures. Tu peux manger ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Donc, ne vous pressez pas quand vous lavez les mains, comme si vous voulez aller faire gris-gris, quand vous voulez aller grouper la nourriture. Voilà. Et aussi, quand vous portez le masque, ne l'enlevez plus jusqu'à ce que vous arrivez chez vous à la maison. Voilà. Quand vous enlevez, si c'est un masque jetable, ayez le courage de le jeter. Ça y va de votre vie. Si ce n'est pas jetable, lavez-le et puis reportez-le quand vous sortez de la maison. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un virus. Quelqu'un peut tousser ici. La personne est partie. Et si toi, tu viens passer là quelques minutes, tu peux prendre le virus. Donc, vous voyez que nous sommes vraiment en guerre. En tant qu'homme de Dieu, je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous protège dans vos pays respectifs. Respectez les usages, comment j'allais dire, les conseils d'usage contre le coronavirus dans vos différents pays. Respectez les consignes des autorités de vos différents pays. Et puis, je pense qu'on pourra surmonter cette crise. Je suis sûr d'une chose, quel que soit le temps que cette crise prendra, nous allons un jour conjuguer au passé tout ce que nous avons vécu. Donc voilà, c'est des choses qui ont été prédites par la Bible, que des choses qu'on n'avait jamais vues allaient toujours arriver. Donc on doit s'y préparer. Et il y a des films comme le Jack Bauer, saison 6 ou saison je ne sais plus quoi, qui ont donc révélé cela, qu'il allait avoir un virus mortel. Il y a des films, les gens tournaient les films là-dessus, le 24 chrono, pour ceux qui ont déjà regardé. Donc, c'est des choses que souvent, les clubs des petits, les films, les feuilletons, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, c'est ça. Attendons-nous à ces calamités-là, attendons-nous à toutes ces tribulations. Mais un jour, nous serons hors d'état de nuire et je pense que Dieu vous protégera à vous qui êtes là en train de regarder. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube ou bien sur la plateforme de là où vous suivez, mais soyez sûr que c'est ma plateforme.
Donc voilà, donc abonnez-vous à cette plateforme, je vous donnerai toujours des conseils, je vous suivrai toujours et ça ne sera pas seulement une chaîne YouTube de Develotory. Voilà, je tiens beaucoup à mes abonnés, à mes followers. Rassurez-vous d'être abonné si c'est une page Facebook, abonnez-vous si c'est un compte YouTube, abonnez-vous et suivez nos actualités. Je suis Herman Ivarian, USA, je vis aux États-Unis en Californie et malheureusement les États-Unis... Aujourd'hui, nous avons 17 000 décès et plus de 400 infectés. Et voilà, donc c'est un peu ce que nous vivons ici. Nous sommes le pays le plus atteint aujourd'hui. Il y avait pratiquement zéro atteint lorsque ça frappait ailleurs. Donc c'est pour dire que c'est une réalité. J'ai vu une fosse commune. Quelqu'un a pris photo d'une fosse commune quelque part dans une ville reculée, quelque part dans un état, je ne sais pas où. Et ils sont en train d'enterrer les gens en tas. Mais si tu vois la manière dont on les enterre, tu vas comprendre que l'orgueil, là, ça n'a jamais eu de valeur. On s'est fait du mal nous-mêmes en étant orgueilleux. Parce que la vie de l'homme, même ce fait-là, il est plus important que la vie de moi. Ça, là, c'est plus important que la vie de l'homme. Parce que lui, le virus ne peut pas le tuer. Lui, le virus ne peut pas le tuer. Donc, c'est pour dire que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Quand j'ai vu les fosses communes, la manière dont on enterre les gens, j'ai été sidéré, j'ai été triste, j'ai été délivré. Et j'ai compris que la Bible n'a pas eu tort de dire, si tu perdais ton âme. Non, c'est lui qui... Qu'est-ce que la Bible dit? À quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Vraiment, tout ce que nous voyons, c'est de la vanité. Tu as une voiture, tu as une maison, tu as de l'argent, c'est vanité. Tous ceux qui sont décédés là, il y a d'autres qui ont des Jaguars, il y a d'autres qui ont des Ferrari, il y a d'autres qui ont des maisons à leur nom. Mais tout ça là, ça ne les a pas sauvés. Il y a d'autres qui avaient des comptes en banque remplis, garnis. On ne vous parle des milliers de personnes qui décèdent chaque jour. Alors soyons humbles, apprenons de cette crise, rappelons-nous de notre Dieu, prions le Seigneur, demandons pardon à Dieu. Lavons-nous les mains, mélangeons tout, c'est très important. Tu te laves les mains, tu demandes pardon, tu pries le Seigneur. C'est important que je vous parle de ça avant de vous montrer la vidéo de la dame pour qu'elle puisse bien vous expliquer à sa manière. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. C'était Herman Ivarian, USC. Voilà, dans le but de vous aider. On s'attrape. Bon, alors depuis lundi, je suis sortie de mon confinement. Ma profession l'oblige. Et je croise dans la rue depuis lundi plein plein de gens qui portent des masques. Ils sont chanceux déjà d'en avoir, des FFP2, tant mieux pour eux. Le sujet aujourd'hui, c'est pas ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est comment on porte un masque et comment on s'en sert surtout. Alors, ben, un masque, ça se met comme ça se pince, et une fois que c'est mis, on n'y touche plus. C'est pas compliqué. Un masque, ça sert à protéger de nos expirations en temps normal. C'est pour ça qu'à la télé, dans toutes les séries médicales ou même à l'hosto, en temps normal, vous nous voyez avec les masques comme ça. Bah ouais, parce que le sujet, c'est protéger nos patients. Or aujourd'hui, le sujet, c'est protéger nos patients, mais c'est aussi se protéger des expirations des autres. Donc une fois que le masque, il est mis, toute cette zone-là, elle est sale. Elle est potentiellement porteuse du Covid-19. De petites gouttelettes d'eau reçues par le postillon du voisin. Donc quand on en a marre d'avoir le masque sur le nez, on le défait, puis on le met comme ça. On boit un coup, on avale une Ricola, on se mange un petit chewing-gum, et puis on le remet. Si jamais ça gratouille, eh ben, et qu'on touche cette zone-là, ok, on la touche, parce que au bout du nez, ça gratte souvent, et puis on se lave les mains. Parce qu'on a peut-être récupéré du Covid-19 sur les mains. Et donc, quand je croise tous ces gens qui ne sont pas des soignants et qui ont des masques, tant mieux pour eux, et qui les portent comme ça me fait doucement sourire. Alors, quitte à avoir des masques, ce qui est déjà une chance, autant bien les utiliser, sinon autant ne pas en mettre. Parce que quand vous les portez comme ça, là, toute la petite zone là, qui est bien dégueulasse et qui est potentiellement porteur du Covid-19, vous n'avez plus qu'à ouvrir la bouche et à respirer à plein poumon. Soit pour l'inhaler, soit pour le respirer, et puis se remplir la bouche et les poumons. C'est génial. C'est une riche idée. Donc un masque, ça ne se porte pas comme ça. Jamais. Surtout pas en ce moment. Ça se porte comme ça.
Et quand on en a marre, on l'enlève, comme ça. C'est juste un petit conseil de soignant.